En partenariat avec Weekly MP3, notre équipe vous présente à gauche, à droite, devant, derrière, derrière le micro, l'interview de ceux qui se trouvent derrière notre micro. Donc voilà, c'était notre émission spéciale de Derrière le micro. Voici Artekion. Mais Artekion, mais que fais-tu là ? Bonjour. Bonjour. Je viens d'apparaître comme ça pour le LOL. Mais oui. Parce que au départ j'étais derrière la caméra, maintenant je me retrouve devant la caméra. Mais oui. C'est un nouveau concept en fait. Moi je fais derrière le micro, toi tu fais derrière la caméra. Voilà, c'est ça. C'est bien. Ouais. Moi j'aime bien. Mais ça demande plus de matériel. Ouais, du coup, parce qu'il faut une caméra en plus, il faut une personne en plus, c'est casse-couille. Ouais. Ouais. Mais heureusement tu es là. Voilà. Heureusement. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de cette convention MP3 à Paris ? Oh, j'ai kiffé ! C'est bien ! J'ai bien aimé ! Mais maintenant, il est temps de partir. De toute façon, je ne suis pas un interviewé, moi, je suis qu'un technicien. Juste... Tu avais envie d'apparaître. Et voilà. Il faut montrer les techniciens de temps en temps. Voilà, c'est ça. Alors, je rappelle à tout le monde que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, derrière le micro, ou sur Twitter, à @derrière le micro. J'ai également une page PodCloud où vous pouvez télécharger et mettre en flux RSS toutes les émissions. Et j'espère que ça va vous plaire, que vous allez découvrir de nouveaux créateurs. Il y a quelqu'un qui est en train de se moquer de moi derrière la caméra, c'est triste. Et en tout cas, moi j'étais très content d'être venu à la convention MP3 à Paris. Et c'était très cool, et peut-être qu'on remettra ça l'année prochaine. Allez ! Allez ! On est bien ! Je serais encore prêt à faire le caméraman. Ouais. Allez, écoutez des fictions. Des podcasts, je suis claqué. Écoutez les émissions. Écoutez, regardez Sagatik. Regardez Sagatik aussi. Voilà. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Eh bien. Voilà, au revoir. Sagatik derrière le micro. Bisous les gens. Adieu. C'était Derrière le micro, votre podcast d'interview sur les créateurs du web. Pour écouter nos anciennes émissions, rendez-vous sur le site www.weeklymp3.fr. À bientôt derrière un autre micro.